ses jambes. Tu peux faire son dos. Vas-y, fais son dos. Moi, fais ici. Non, fais d'abord son dos, Rania. Mariam, fais son dos. T'as fait ici son... Enfin, fais son ventre tout doucement. Moi, je fais son ventre. Ok les filles, donc voilà, comme vous pouvez le deviner, nous allons vlogger, aujourd'hui nous allons vlogger. Donc Haroun il vient de prendre son petit bain, hein, et donc là je viens d'installer ça ici, vous voyez, parce qu'il commence un peu à se cogner partout dans son petit lit. Donc du coup j'ai remis ça ici pour que, voilà, du coup ça l'amuse, en même temps ça le protège. Il y a plusieurs filles qui m'ont demandé le lit d'où il vient, la provenance de ce lit. Donc c'est un lit Ikea les filles, c'est un lit Ikea. Vous voyez, tout simple. Et donc, vous avez l'option, vous pouvez enlever la barre qui est ici et la remettre un peu plus tard. Je dors juste là et Haroun est à côté de moi ici. Donc, du coup, voilà, je l'allaite le soir et ensuite la nuit plutôt, ou même le soir, et je le repose dans son lit. Voilà, j'ai pris ma douche. Hop. Un petit peu. Donc, j'ai utilisé mon nettoyant visage habituel. Un petit coton avec cette lotion de chez Pixie. Il faut vraiment... le problème ici, c'est que l'eau de rose, je l'ai mise dans le frigo, donc du coup, je l'utilise quasiment jamais. Hop, on va mettre une petite crème, toujours de chez Pixie. Et pour le contour des yeux, je mets de l'huile de rose musquée de chez Aromazone. Et voilà, hop, mon téléphone. Le body Haroun qui traîne ici. La valise qui doit être rangée. Et je vais prendre un pyjama. Je vais changer de pyjama. Et ensuite, direction la cuisine. Ok, on vlog. Hein. Non, c'est vrai. C'est... Pour pas que tu dises n'importe quoi. Ouais. Pardon. Tu m'écrases. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un café comme ça. Il a l'air bien le café ou pas? Ouais, il a l'air bien. Le truc, c'est qu'à Singapour, le café il coûte hyper cher. Donc du coup, on a acheté chez Ikea. Il est où le café? Donc voilà, c'est tout, on a fait ça. Donc ça, cette cafetière italienne, elle vient d'Algérie. Donc... la dernière fois, elle vient de Bouira, plus exactement. Le Bouira, hein, en Kabylie. C'est la petite Kabylie, là. C'est petite Kabylie. Petite et Kabylie. Donc voilà, je l'ai acheté la dernière fois. Et franchement, moi j'aime bien cette cafetière. J'ai vraiment la sensation de faire du café. Profitons-en pour lancer une machine. Voilà. On va préparer une omelette. Les filles, vous voulez les œufs? Sûr? Ah, mets des tartines s'il te plaît. Bon, dans le congélateur. Combien? Hotel Khobz Hoon. Où est le mouraba? Où est le mouraba? Dans le frigo. Mister Google, je vais les brouiller maintenant. Attendez le malah, please. Ou le falfal aswad. T'as vu tellage, mais oui, voilà tellage. Tellage. Oui, tellage, tellage. Ah, on a. Oui, c'est vrai, tellage. Mais oui, en dirigeant on dit tellage. On dit neige. Tellage. Tiens. Wow. Comment je fais la connexion, tiens. Malah. Du sel. C'est neige, oui. Tu es en train de chercher tous les mots en arabe que tu connais. T'aimes bien ces œufs? Ok, hop, for you my darling. Non justement, il est bon, ça va. Il est pas fort du tout justement, il est pas fort. T'as pas entendu quand je t'ai dit, c'est pas du café grand-mère quoi. Ouais, pour la quantité que tu mets de café, je peux mettre plus de café. Ouais, il faut mettre, c'est ce que je t'ai dit, faut mettre plus de café parce que quand il est versé, je me suis dit, ça fait très... bah y'en a plus ma chérie. Donc, en général, le week-end, c'est la question qui tue. Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on se contenterait bien d'aller juste visiter la famille. Mais c'est vrai qu'ici à Singapour, des fois, c'est un peu... C'est casse-tête de devoir à chaque fois trouver quelque chose à faire. Puisque le week-end, les filles, on essaie de profiter avec elles. Et en général, elles ne veulent pas rester à la maison. Elles ont envie de sortir. Voilà, donc machine terminée. On est en train de mettre le linge à sécher. Donc ça, ce sont les affaires pour demain, l'école. Donc le drap, puisque les filles
font la sieste, enfin, ils n'ont pas le choix, la serviette puisqu'ils prennent une douche à l'école, l'uniforme puisqu'ils changent d'uniforme après la douche. Bon, voilà. Donc, tac, et là, je pose toujours leur uniforme, comme ça, elles savent le matin quand elles se réveillent que c'est une petite robe, que la robe, elle est là. Donc, je range les vêtements, sauf... Bah oui, demain, on est lundi, ma chérie. Ça, que je passe comment ? Doucement. Tu mets un peu dans le mur, tu passes doucement. Ok. Voilà quoi ressemble la maison le week-end. Mais regarde, Mariam, attends, il y a un big espace dans votre chambre pour faire la cabane et vous faites la cabane dans le couloir. Oh, sinon on va recommencer. Oui, vous recommencez, c'est mieux, tu fais dans ta chambre. Merci ma chérie. Et tout ça, je veux pas que ça traîne ici. C'est dans votre chambre, vous les jouez dans votre chambre. Il s'est endormi là, il vient de finir sa petite tétée. Je fais le montage, je termine le montage de la FAQ Maldives qui est là. Et je viens de commander. Hello. Qu'est-ce qui fait polémique en France ? C'est quoi ? Je viens de commander le bonnet de chez Nike. Voilà, je vous ferai une revue. Donc voilà, je l'ai commandé. Il n'y a pas d'information à mettre derrière, hein, ouais. Non. Donc j'ai pris la taille XS en noir. Et bah écoutez, il y a une petite réduction. Normalement, il a 45$. Là, il a 33,90 sur le site Lazada ici à Singapour. Bon, vous pouvez le trouver. Je sais pas si c'est disponible en France, ouais, chez Nike. Ah, c'est vrai. Normalement, en France, c'est disponible. Hein. Ok. Bon, voilà. Donc, pas de Décathlon. Dommage. Hein, j'aurais bien aimé acheter celui de Décathlon parce que Décathlon, en général, les prix sont pas chers du tout. Mais bon. Donc, voilà. Bah écoutez, affaire à suivre. Tomates, après ? Des nouilles. Des nouilles ? Et ça, c'est un sandwich. Oui. Ok, Ahmed, tu peux manger le premier. Pour le dessert, c'est quoi ? Des gâteaux. Ok. Une gaufre ? Avec du miel ? Oui, c'est un rainbow gaufre. Rainbow gaufre, ok. C'est un rainbow gaufre, c'est aussi. Tu peux ouvrir pour que je vois ? Maman, c'est un gâteau, c'est un gâteau. Oh, waouh ! Voilà, donc là, on va faire les cookies. Voilà, je mets tout le reste. Donc ça, ce sont des flocons d'avoine. 50. 150. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est il y a des personnes qui mixent. Il y a des personnes qui mixent l'avoine pour obtenir un genre de farine. Donc moi, je ne mixe pas, j'aime bien avoir le petit croquant. Baking soda. Hop, une petite cuillère. Du sucre, je vais en mettre un tout petit peu. Du sucre complet. Une, deux, trois quand même, juste pour qu'ils soient un peu sucrés quand même. Non mais je les mets tu vois ensemble. Oula. Un petit peu d'huile. Je sais pas ce que ça va donner. Vraiment c'est une recette. Ah la vache. Maman. Non moi je l'ai fait comme ça, plus directement. Ouais. Comme ça. Ouais. Ouais. Oh non, pas trop petite non plus, tu vois. Ouais. Pas trop grande non plus, je veux dire. Tu vois. Pas trop grande sinon ça va mettre. Voilà. Ok, en 4 alors. T'es sûr qu'on épluche pas ? Non, laisse comme ça. Ok. Non, ça c'est à la fin. D'abord tu me fais toutes les boules et une fois que tu as fait les boules, maman te montre. Si tu arrives, c'est très bien, ça c'est bien. Ça c'est bien. Hop. Ça c'est un peu trop grand les filles. Hein. Okay, donc... Laisse-la Rania. Rania, tu laisses Mariam faire comme elle veut, s'il te plaît. Écoutez ce qu'on va faire. Wait, 5 secondes. Enlève ta main. Regarde, la moitié pour toi, la moitié pour elle. Voilà. Yeah. On a mis paprika, du sel. On va mettre de l'huile d'olive. C'est pas ma recette, hein. C'est ma recette. Voilà, donc comme ça, c'est bon. Il y a personne qui utilise de l'huile de coco. On peut utiliser de l'huile de coco, mais nous, on va le faire à l'huile d'olive. Voilà, donc j'ai mis ça ici. C'est quoi ça, spicy ? Tu recules, Rania, je vais ouvrir le four, s'il te plaît. Non, c'est pas spicy, ma chérie, c'est du paprika. Attention, Rania, s'il te plaît, c'est chaud. Ouh. Hop là. C'est parti. Voilà, nos petits gâteaux sont ici. Dès qu'ils sont froids, je ferme et je mets ça dans une boîte. On a débarrassé la vaisselle. Alors, voici le repas du midi. Donc, franchement, les pommes de terre, elles sont délicieuses. Je vous ai filmé une petite vidéo. Je sais même plus parler, je suis crevée. Ça, c'est pour les filles, basmati avec des légumes. Donc voilà, ça c'est une viande de sauce avec du, je sais pas, hein, j'ai inventé, hein, avec de la pâte de sésame, du citron, sel, poivre et de l'avocat. J'ai tout écrasé et voilà. Bon, allez, on va manger parce que j'ai trop trop faim. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau ? Est-ce qu'on met beaucoup d'eau ? Non. C'est quoi ta chanson là que t'as appris à l'école ? Recycle, reuse. One by one, tu pourras pas prendre les deux. D'abord tu allumes l'eau, tout doucement, voilà.
Voilà, donc dès que c'est propre, tu poses. T'as pas besoin de. Il faut pas gaspiller l'eau. C'est bon. C'est bon, Rania. Voilà, super. Voilà. Parce qu'on fait un vlog aussi. J'ai oublié le vlog. Moi, ça m'arrive. Bah écoutez. Voilà, je me suis préparée et en gros ce qu'on a fait c'est qu'on a filmé ensemble une vidéo, à votre avis. C'est quoi comme vidéo? Bon, je ne vous donne pas d'indice puisqu'elle sera en ligne demain. Puisque, donc, on va faire un truc, c'est que toute la semaine prochaine vous allez avoir des vidéos. Donc restez connectés, celle-ci, donc nous sommes le dimanche mais étant donné qu'on a 7 heures d'avance, je vais donc l'éditer et la mettre en ligne. Et donc la vidéo qu'on a filmée, ça sera pour demain et vous en aurez d'autres, voilà, c'est des genres de vidéos vlog étant donné que vous aimez ça. Et donc dedans je vous présente mes nouveautés, je vous présente, je sais pas, je vous donne des astuces, bref vous verrez un petit peu, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et bah écoutez, je crois qu'on va conclure cette journée, cette petite journée, qu'on va se prendre un petit café et on va sortir je pense, on va sortir, on y va ou pas? J'ai la flemme aussi, franchement. On voulait partir à Garden by the Bay, mais on va voir les filles. Si elles sont motivées pour y aller, on y va. Sinon, on verra. Donc, si vous voyez plein de belles lumières, un beau petit spectacle là juste après, c'est qu'on est parti à Garden by the Bay. Si vous ne voyez rien, bah, c'est tout, c'est qu'on est resté à la maison. On va prendre un petit bain avec nos petits gâteaux avant de sortir. Merci. Hop, tiens, je te le rends tout de suite. Un peu de lait. Tiens. Et on va quand même partir à Marina. On va y aller à Garden by the Bay. Donc le premier show c'est à 7h30, hein, c'est ça? 45. 7h45, donc 7h45. Voilà, donc on va faire ça. On va y aller un peu plus tôt, comme ça on va se promener un petit peu. Et voilà, bon, on se retrouve là-bas. Hein. Ok, coucou. Donc voilà, finalement on est sorti. On a pris notre courage à demain et finalement on ne regrette pas puisqu'il fait super bon. Donc vous avez le Marina Bay Sands qui est juste derrière. Donc on se rend là-bas. Garden by the Bay. On va se diriger vers les Super Tree Grove. Donc voilà, ce sont les arbres que vous voyez ici qui sont magnifiques. Donc à la tombée de la nuit, ils sont illuminés et vous avez la possibilité de monter sur le pont. C'est super joli. Donc vous trouverez une vidéo spécialement sur ça sur ma chaîne. Ok, la lumière elle est pas bonne mais c'est pas grave, je vous montre quand même. Ces arbres sont magnifiques, franchement c'est l'un de mes endroits préférés ici à Singapour. Et vous voyez, il y a plein de monde puisque tout le monde attend donc le spectacle. Et tous les soirs c'est comme ça, tous les soirs c'est plein. Voilà. Voilà, voilà notre QG. Hop là. Donc on est ici. Et voilà, donc on va manger des sushis, des sushis. Donc ici on a un peu de... Qu'est-ce qu'il y a, Rania? Montre-moi. C'est quoi ça? C'est le... Rania triangle Mariam. Rice. Oui, triangle rice. Elles ont découvert ça en Chine, au Japon, et elles aiment trop maintenant. Voilà, voilà, ça va bientôt commencer. Donc il y a plein de monde, comme vous pouvez le voir. Donc en gros, il y a un show à 7h45 et un deuxième à 8h45. Donc je vais vous laisser sur ce magnifique spectacle qui va bientôt commencer. Je vais changer la musique bien sûr, puisque je ne suis pas autorisée à utiliser celle-ci. Mais en gros, vraiment, la musique suit avec les lumières. Donc voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.